Bonsoir, mes taureaux, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Donc c'est Nati, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas je vous le souhaite. On va regarder immédiatement l'eau, je le mets à droite. Hop, à gauche, c'est mes repères. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, ça, j'ai que ça alors. Et là, jusqu'à là. Ok, ça marche. Alors, merci de votre fidélité pour vos pouces en l'air. Merci pour ceux qui pensent à les activer. Vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Et puis, merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos abonnements. Pour vos abonnements, bah, écoutez, c'est comme ça que vous retrouvez mes vidéos. Et c'est comme ça aussi que vous avez une notification, un message. On vous tient au courant, du moins YouTube. Que je poste une nouvelle vidéo ou des nouvelles vidéos et vous faites grandir ma chaîne. Donc, I love you, merci. Alors, mes amis, on va regarder un petit peu ce que j'ai pour vous, hein. Je vais faire une générale et ensuite, là, ça sera pour mes couples, en relation ou en triangulaire si elle sort ou non. Ici, c'est pour mes célibataires, hein, d'accord? Allez, je démarre avec l'oracle des miroirs, quelques cartes. Et ici, c'est le tarot des sorcières. C'est un tarot revisité, tout simplement, hein, d'accord? Bon, on verra au niveau sentimental après, mais comme c'est une générale, le sentimental peut sortir, hein, aussi. C'est général, moi je ne sais pas quel domaine, ça va parler de quoi? Ça peut parler de tous les domaines, comme plus d'un domaine. Ou de deux domaines par exemple, hein? D'accord? Moi je suis comme vous, j'ai quelques messages, mais voilà. Allez, la joie, la joie, la joie, la joie. Vous avez réussi quelque chose, ou alors vous allez réussir quelque chose, un rêve se réalise, mes amis. On va se féliciter, on va vous féliciter, hein? D'accord? Il y a un rêve qui se réalise. À vous d'adapter, c'est quoi par rapport à votre vie. Après, on parle aussi de mariage ici, hein, d'accord? Donc, félicitations. On parle d'accord, de contrat. Après, ça peut être le permis de conduire, ça peut être un bail, ça peut être achat, vente de biens immobiliers, ça peut être un terrain, ça peut être contrat de travail, ça peut être. Oh, ça peut être tellement de choses. Mais il y a des signatures aussi. Il y a quelque chose d'officiel. On peut parler de Pacs, de mariage, mais même de fiançailles, vous voyez. Poignée de main, on est unis, vous voyez. En tout cas, ici, on réussit quelque chose. Il y a vraiment un vœu qui se réalise. On est dans la joie. Vous pouvez vous féliciter. Je regarde quelque chose. Ce fil, là. Ce fil fait bouger le téléphone. Non? Je vais me mettre comme ça, je n'ose pas trop toucher parce que c'est le fil du chargeur. Hein? Comme ça. Voilà, je ne touche plus rien. Parce que voilà, j'ai pas envie que ça s'éteigne. Hein? Alors, ici, certains de vous vous parlent d'un contrat achat ou vente de biens immobiliers, hein, d'accord? Pour d'autres, on vous parle aussi qu'enfin, en signant ça, alors ça peut être des partages aussi, un partage, héritage et tout ça. On parle aussi de. Alors, est-ce que aussi vous séparez un bien? C'est-à-dire, je m'explique. Si vous divorcez ou si vous vous séparez, peut-être il y a un bien à séparer et qu'on arrive à trouver un accord. Voilà. Ça peut être ça. Est-ce qu'on vend, par exemple, est-ce qu'on vend la maison ou l'appartement ou tu veux racheter ma partie? Enfin, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez la chance ici. Il y a un truc qui se passe, mes taureaux, tant mieux. Tant mieux. Attention à la jalousie, hein, mes chouchous d'amour. Montrez pas trop parce qu'il y a des envieux, il y a des jaloux, jalouses. Voilà. Elle est jaloux, jalouse, proche de vous. Ouais, il y a la victoire, cherchez pas à comprendre, c'est qu'une histoire de temps, hein, chez vous. Il y a l'argent purée. Bon, vous me faites attention au niveau des jaloux, jalouses, hein, il y a une victoire. Après, on peut très bien vendre un bien et puis c'est ça l'argent.
Ou alors, on utilise cet argent pour acheter un bien. Ça, c'est possible aussi. Il y a une victoire, en tout cas, vous avez. C'est puissant, là, hein, votre tirage. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que ça continue? Ou on parle peut-être, comme c'est une générale, ça peut me parler d'autres cas de figure. Hein, d'accord? On a ce roi de pentacle. On redémarre à zéro. D'accord? Bon. Alors, j'ai ici, vous avez une rencontre ici, vous redémarrez à zéro, ouais, vous avez une rencontre. C'est le choix du cœur. Mais en fait, vous allez démarrer une relation pour certains et certaines de vous. Pour d'autres, ça n'a rien à voir. Il y a un choix à faire, on le voit bien, hein, d'accord? Et en fait, il y a un choix à faire. Alors, il y a quand même une histoire d'aller de l'avant. Il y a la page blanche, donc quand même de quelque chose de nouveau, débuter, démarrer quelque chose de nouveau. Faire le choix peut-être d'une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouveau emploi, c'est possible. Et qu'on pose la question à une personne. Cette personne, par exemple, ça peut être, parce que c'est la sécurité, c'est le roi de Pentacle, ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, un notaire, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, là, on a besoin de, pour choisir, pour pas se tromper, on a besoin de poser la question à cette personne, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est expert, en tout cas, en la matière, quoi, hein, d'accord? Dans son travail, hein, d'accord? Certains de vous, au niveau d'un couple, il y a la joie. Bah, je vous avais dit hein, déjà, mariage, fiançailles, Pâques et tout ça. Mais ça peut être aussi bébé. Hein. Ça peut être grossesse-naissance, premier bébé, ou alors on agrandit la famille, félicitations. En plus, c'est possible, là, elle est enceinte. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors. Pom, 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 pom. Par contre, ici, Alors, j'ai deux cas de figure. J'ai quelqu'un qui a envie de partir de son travail, d'accord? Vous êtes fatigué, ce travail il vous pompe l'énergie, vos énergies, d'accord? Sérieusement. Et vous allez partir pour moi. Ce qu'il y a, c'est que, alors, soit vous essayez d'avoir une rupture conventionnelle ou un accord ou un truc comme ça. Soit ce qui vous freine, c'est l'argent. La peur, et ça moi je vous comprends, la peur en fait de la suite, quoi, vous voyez, c'est-à-dire est-ce que je vais retrouver quelque chose derrière rapidement pour pouvoir payer mes charges, pour que l'argent rentre en fait. Hein. Donc en fait, il faut s'organiser, hein. C'est ce qu'on vous dit. Effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut s'organiser, mettre de l'argent de côté et changer d'emploi, changer de voie et aller vers une voie de cœur. Hein. N'oubliez pas, vous avez la reine en dessous, la reine de cœur. Aller vers une voie de cœur, quelque chose qui vous corresponde, hein, d'accord? Et c'est possible pour certains de vous et certaines. Que vous avez envie même de vous mettre à votre propre compte, mais ça vous fait peur, en fait, vous comprenez? C'est ça que j'ai. Deuxième cas de figure, hein, d'accord? On jongle, on n'en peut plus, on en a marre, on n'y arrive pas, d'accord? En couple, j'ai un couple là, vous êtes mal au point. J'en ai un des deux qui veut rompre, qui veut partir. Puisque il y en a un des deux qui a envie d'autre chose, en fait. Voilà. Qui a envie d'autre chose,
de vivre autre chose, d'explorer autre chose, un nouveau monde, hein, c'est ce que j'ai ici, hein, d'accord, avec cette boule. Donc, il y a quelqu'un qui veut partir ici, hein. Il y en a un des deux, en tout cas. Bon, on va voir. Est-ce que vous auriez trouvé quelqu'un d'autre et que vous voulez partir en couple, en relation triangulaire? On va voir. Qui c'est qui s'est habitué à ces disputes là? Il y a un couple qui s'est habitué à ces disputes. Vous savez, les disputes, à force de se disputer, on s'habitue, hein. Et c'est dur de... C'est des mauvaises habitudes. Et donc, c'est dur d'en sortir de tout ça. Tout ça, c'est des énergies du diable, les disputes. Hein. Faut sortir des disputes. Hein. D'accord? Faut communiquer. C'est pas possible. Hein. Alors. Je les pose et après, on voit. Pardon, excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau d'ailleurs. Alors, bon, bah c'est ça en fait. Hein. Voilà, j'en ai un des deux qui veut la rupture. Vous le voyez bien hein, vous-même. Il y a quelqu'un qui est dans la ruse, qui veut la rupture. Alors, j'ai l'impression même que on prend un malin plaisir de chercher des poux pour arriver à cette rupture. Et j'ai même un autre message. J'en ai un des deux qui amène l'autre à rompre, comme ça, l'autre va rompre à notre place, vous voyez? Comme ça, on n'a pas à rompre. Donc, on amène l'autre à rompre. On le fait tomber dans le piège. Vous voyez, moi, j'ai ça, hein, d'accord? Ouh! Il y a vraiment... alors, oui, parce qu'on est tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai. Et d'autres, bah, en fait, vous ne correspondez plus. En fait, vous n'arrivez pas à dialoguer, discuter, vous entendre. Vous arrivez à un stade où il y en a un des deux qui veut définitivement arrêter, partir, déménager. Et c'est la rupture. On n'a pas réussi à s'entendre. On arrive, je vous dis, à un stade de non-retour. En fait... parfois, il arrive qu'on n'est plus fait pour être ensemble, malheureusement. Et des fois, il y a des thérapies qui peuvent aider, des fois non. Des fois, on arrive à discuter, dialoguer, faire les efforts des deux côtés. Il y a du bon résultat et des fois non. En fait, là, ici, vous n'êtes plus en accord du tout, vous deux. Et donc, ça passe par la rupture. Mais voilà quoi, et on a trop changé de toute façon pour revenir en arrière. Moi c'est ce que j'ai, et j'ai quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents, qui a envie d'autre chose, qui a envie de donner ses énergies à quelqu'un de nouveau, d'accord? Et j'ai l'autre qui est... oui, moi j'ai quand même quelqu'un de... De toute façon, on ne retiendra pas cette personne qui veut partir. C'est terminé. Moi, pour moi, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou vous n'êtes plus avec la bonne personne. Ça a été la destinée, oui, mais c'est terminé. Moi, c'est ce que j'ai. En plus, avec cette ligne-là, là, vraiment...
Moi, j'ai quand même une triangulaire ici. Moi, j'ai quelqu'un qui veut rompre aussi parce que on a envie de liberté, de divertissement, de faire ce qu'on veut. On a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de... Voilà, et puis il y a des rendez-vous ici, hein, d'accord? Et donc, on a envie de vivre avec cette nouvelle personne qu'on a rencontrée ou même si vous la connaissez depuis longtemps, hein, on a envie de vivre avec. Hein. Et pour d'autres, en fait, ici, ce que j'ai, c'est que... Alors, par contre... Ici, moi, j'en ai un qui est sérieux, qui a toujours donné la chance, qui a cru, hein, même qui est amoureux, qui aime encore. Hein, et l'autre, non. L'autre qui a envie de partir. Mais pour le coup, bon, on n'en est pas encore là. Ouais, c'est ça, cette fidélité, hein, d'accord. Wow. Ouais, mais c'est ça. En fait, on est en désaccord et il y en a un des deux qui va trouver le grand amour parce que j'ai vraiment... Puis bénédiction, succès, espoir, bénédiction, ça va être l'âme sœur. Hein. Ça peut être un Capricorne, Verseau, Poisson ou alors vous allez rencontrer cette personne en plein hiver. Ou alors ou au ski ou alors la période de l'hiver, vous voyez. Ou alors c'est... un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et ça va être l'amour véritable. Alors, ici, c'est pour une polarité féminine, mais comme vous avez, on a les deux. Donc, en tout cas, pour la personne, je pense que pour la personne fidèle, qui a toujours laissé la chance, d'accord, effectivement, il y a une autre vie qui vous attend. Il y aura beaucoup de fidélité, c'est l'âme sœur, il y a beaucoup d'amour. Bon, bah tant mieux ça, hein. Bah dis donc, ça c'est bien. Ouais, bah vous savez quoi? On guérit par rapport au passé. On vous... ouais, bah en fait ici j'ai un couple qui se déchire, j'ai un couple qui va rompre, d'accord? Et la personne, alors la personne qui a été fidèle, qui a donné toujours la chance et tout ça, elle va rencontrer... son âme sœur, en fait, c'est la suite, hein, c'est l'extension. Ça vient de l'univers, hein, c'est l'extension. Et du coup, en fait, elle aura eu mal au cœur par rapport à la personne actuelle, le partenaire ou la partenaire actuelle. Elle sera bien prise la tête, mais finalement, ça sera terminé. Il y a la guérison, mes amis. Et cette personne, elle rencontre... c'est l'extension, hein, c'est la suite. Elle rencontre son âme sœur, hein, vraiment. Hein. Et oui, je comprends mieux maintenant cette ligne-là. Hein. Bon, il y en a que c'est pour les hommes, il y en a que c'est pour les femmes. Il hein, y a les deux, hein, d'accord. Et puis on est en désaccord. Parce que de toute façon, il y en a un qui fait... comment dire, qui sort sans arrêt, qui... voilà, quoi. Qui veut un autre monde, qui veut ci, qui veut ça, et ben voilà, de toute façon, voilà, elle est là, cette rupture-là, le déménagement, il y en a un des deux qui déménage, et c'est un non-retour, c'est terminé, quoi, hein, d'accord? Ça arrive, mes amis, hein. On peut parler de divorce ici, ouais, c'est ça, en fait, le... Ouais, le choix et tout ça. Ouais, le choix de... Mais cette personne, elle va rencontrer quelqu'un. Ok, ça marche. Bon, bah, la personne, en fait, qui a cru à cet amour, qui a essayé de tenir bon, qui a essayé de tenir le coup, est destinée et promise pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est l'univers. Hein. Vous allez guérir, vous allez devenir un 1. C'est bien. Bon, ici, l'autre personne qui... Bah, qui a joué dans le couple, hein, d'accord. Je pense que cette personne qui a joué dans le couple a trompé, hein, d'accord, a trompé au moins une fois, c'est sûr, et retrompe ou retrompera. Mais de toute façon, on parle même plus de ça. J'ai un couple qui s'effrite et qui, il y en a un des deux qui veut cette rupture. Donc, soit on fait tout pour qu'il y ait cette rupture.
soit en fait on va amener l'autre à rompre à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Bah dis donc, faut être vraiment malhonnête, hein. Mais comme on veut cette transformation, bah, c'est ce qu'il faut. De toute façon, vous n'êtes plus en accord ici. Je ne sais pas à qui. Vous voyez, c'est très spécial, hein, c'est particulier. Je parle à quelqu'un qui va se reconnaître. Je ne sais pas qui, hein, par contre. Hein. Mais c'est pour vous dire que les générales, c'est à part. Hein. C'est pas comme quand je vous ai en consultation et que c'est que vos énergies, c'est que vous. Hein. Allez, mes célibataires. Ok, chez des célibataires, vous discutez avec une personne. Vous avez raison, vous prenez le temps de poser des questions, vous prenez le temps de vous décider, j'y vais pas, mais voilà, vous avez raison. Vous essayez de voir ce qui est invisible, ce qui est caché, vous voyez. Ouais, on cherche, hein, on voit bien. On cherche à découvrir si cette personne, elle est sincère ou non, vous voyez. Si cette personne, elle est engagée ou non, vous voyez ce que je veux dire. Si cette personne, elle est loyale, fidèle, hein, d'accord. Donc, voilà. Mais on s'envoie des messages. Ok. On veut plus souffrir de toute façon. Mais on va mieux, hein, déjà. Parce que en fait, vous avez peur de retomber sur une personne comme une ancienne relation. Alors, peut-être la dernière ou l'avant-dernière, hein. Mais vous n'avez plus envie retomber, excusez-moi mes taureaux, vous n'avez plus envie de retomber sur une personne malhonnête et tout ça, mes taureaux. Hein, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, voilà, avant d'ouvrir son cœur. C'est tout à fait ça, hein, de toute façon. Parce qu'à mon avis, là, avec la croix et la personne pas sérieuse, elle vous a fait du tort, hein. Donc, vous avez ouvert votre cœur à un ex ou une ex. Bon, mais de toute façon, vous allez couper en 2024 avec tout votre passé, hein, d'accord? Deux cartes là-dessus, s'il vous plaît. Deux cartes. Oui, vous allez couper pour l'amour. Hein, et, ouais, de toute façon, cette personne, elle a rusé, elle a été malhonnête. Hein. Oh, bah c'est bien, vous allez vers, vous allez rencontrer quelqu'un. Et, bon, j'ai les deux, hein. Honnêtement, j'ai tout ce qui est... bon, là, c'est à l'extérieur, c'est les parcs, les musées, cinéma, discothèques, enfin tout ça, vous voyez. Et j'ai les réseaux aussi. Hein. Bon, pour certains, ça sera les réseaux, pour d'autres, ça sera... oh ouais, non, mais écoutez, il y a quelqu'un qui vraiment qui vous a fait des cachotteries, une ex ou un ex. Regardez-moi ça. Cette gueule de serpent dangereux. Parce que des fois, il y a des serpents pas dangereux. Mais là, regardez-moi ça. C'est quelqu'un, c'est une ou un pervers narcissique, quelqu'un de toxique, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vous a manqué de respect, peut-être qui vous a insulté, qui vous a dit des mots, qui vous ont touché psychologiquement, qui vous ont atteint. C'est quelqu'un qui faisait des choses en cachette, hein, d'accord ? Ouh là là, bon, vous allez me dépasser tout ça, ça c'est parfait, et vous allez vers l'amour, hein, mes chouchous d'amour. Gardez-moi ça. Vous allez vers l'amour, vous allez dépasser votre passé, là. Après, le passé, on ne va pas l'effacer, hein, c'est pas comme avec un crayon, une gomme, on le sait très bien, on n'est pas bête, hein, mais... pardon, on va le dépasser, on n'y pensera plus. On va accepter l'inacceptable, on va se dire, bah oui, bah voilà, je suis pas la première ou le premier, je suis pas le dernier ou la dernière à qui c'est arrivé. Mais vous allez vers l'amour, vous allez vers votre chance, hein, certains de vous, c'est très bien. De toute façon, vous allez être très, très méfiant et méfiante. Hein. Ouais, vous allez vers un cadre, vers la solidité, vous vous envolez. Hein. C'est magnifique. Waouh, c'est... Cherchez pas, hein, c'est votre destinée, ça. C'était voulu, hein. Purée. C'est pour bientôt, hein. Vous allez être servi chacun à votre tour, c'est pour bientôt. Hein. Vous
Vous avez la bonne personne, heureusement. Oh là là, mais vous ne dormirez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez parler ensemble? Le vœu se réalise, la chance. La chance. Ouais. Moi, je pense que ça peut aller jusqu'au mariage, ça. Mariage, bébé, Pâques, achat. Ça, pas tout de suite, hein. On y va mollo, hein. Doucement, mais sûrement, comme on dit, hein, bien entendu. Hein. D'abord, on en profite bien. D'abord, vous prenez le temps de pas vous tromper de personne. Hein. Mais ici, on va être très, très prudent et prudente. Hein. Et vous allez être vigilant. Et en fait, et vigilante. Et en fait, vous allez me trouver l'amour. Ça se trouve, certains et certaines, ça vient de se faire, mes célibataires. Peut-être hier, dans la semaine dernière, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais quand même, vous allez être vigilant, vigilante, pour ne plus retomber sur, dans ce piège-là, les gens malhonnêtes, qui cachent et qui sont mauvais, quoi, voilà, et qui manipulent, qui ne sont pas honnêtes, voilà. Ça, ces gens-là qui adorent d'ailleurs les énergies des gens honnêtes, des gens qui ont de l'amour à donner, vous voyez, qui savent aimer comme vous. Donc, ils adorent vos énergies, c'est des vampires, ça. Bon, bah écoutez, prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Je vous dis I love you. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous avez tout en dessous de la vidéo et vous avez mon site professionnel natinatura.com. Voilà, et mon mail également natalia16000nati@gmail.com. Mais vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.